qu'ici, on parle vraiment de la solution du problème du last ou first mile. Et là, c'est clair que ce type de transport avec des navettes autonomes peut jouer un rôle très important, surtout aussi sur un campus comme le nôtre, qui est quand même très étendu et où nous sommes vraiment aussi intéressés d'utiliser le campus comme un laboratoire vivant. On le sait, des véhicules entièrement automatisés roulant sur le domaine public, c'est un véritable challenge. Aujourd'hui, on a Google Car qui s'intéresse beaucoup à ça. En Suisse, on a Swisscom, l'opérateur de téléphonie, qui s'intéresse aussi à ça. Bref, il y a beaucoup d'opérateurs qui commencent à essayer de rendre la voiture de plus en plus automatique. Nous, nous essayons à travers City Mobile 2 de faire en sorte que ces véhicules automatisés, ces ascenseurs horizontaux, ces véhicules qui sont entièrement robotisés, puissent s'intégrer dans un environnement qui n'a pas été conçu pour les recevoir. Les centres-villes, mais aussi les campus, vont se vider progressivement des voitures. Et évidemment, il faut trouver des nouvelles solutions de cohabitation entre piétons, cyclistes, transports en commun et enfin voitures. Et ce genre de véhicule, certainement, vient ajouter le dernier maillon de cette chaîne de transport douce sur des lieux centres-villes, campus universitaire ou industriel, aéroport, centre hospitalier et ce genre de situation. Aujourd'hui, en tout cas en Suisse, et c'est je crois le cas pour la majorité des pays du monde, on n'a pas le droit d'aller avec une voiture autonome sur les routes publiques. L'avantage qu'on a ici sur le campus, c'est qu'on a en fin de compte un terrain privé où nous avons une grande liberté de choix. Mais on est en train de travailler, comme j'ai dit, dans un projet qu'on veut faire dans une autre ville où les PFL est présent, de justement aboutir à pénétrer encore un peu plus dans l'espace public. Dans ce cas-là, c'est un espace mélangé où on a des piétons et un petit peu de voitures pour gentiment montrer comme ce type de solution peut amener des opportunités supplémentaires pour justement régler ce dernier last mile où aujourd'hui on n'a pas vraiment de solution à offrir sauf la mobilité douce. Il y a des personnes qui étudient ici à l'EPFL et qui sont présentes tout au long du projet dans les véhicules pour accueillir les gens, répondre à leurs questions et réagir en cas d'éventuels problèmes. Et on a en plus ici le poste de supervision qui permet de suivre en temps réel les véhicules. On a beaucoup de retours de gens qui disent que si on n'était pas à bord des navettes, ils ne monteraient pas parce qu'ils ont encore un peu peur et ils n'ont pas trop confiance par rapport à ça. Et le deuxième rôle, c'est développer toute cette infrastructure logicielle qui contrôle en temps réel la position des véhicules. Donc on connaît leur position, leur vitesse, le niveau de la batterie. Et ce logiciel-là, un petit peu comme une tour de contrôle dans un aéroport, décide quel véhicule va où, à quelle vitesse, et gère l'ensemble de la flotte. Le vrai intérêt, effectivement, comme on l'a mentionné, c'est cette dimension interdisciplinaire. On fait de la recherche en matière de robotique, on fait de la recherche en matière de traitement du signal pour arriver à détecter avec des caméras des obstacles, des objets situés autour des véhicules. Il y a une dimension système aussi de comment est-ce qu'on va intégrer ces navettes autonomes ou ces véhicules intelligents dans un système de transport global fonctionnel. Et puis après, il y a aussi une dimension sociale et sociologique. Comment ces navettes autonomes, comment ces véhicules privés intelligents ou hautement assistés vont être acceptés par l'utilisateur? Quelle offre de transport public est-ce que ça peut amener? Quelles nouvelles opportunités est-ce que ça crée? Donc c'est que c'est hautement interdisciplinaire. Et la prochaine étape qu'on envisage déjà aujourd'hui, c'est de passer d'un mode où on a des lignes de bus avec des horaires fixes vers un système sur appel. Parce que c'est vrai que sur un campus de notre taille, avec une ligne de bus, soit on doit avoir beaucoup de navettes qui risquent d'être souvent pas pleines, ou alors on a un système sur appel qui permet quand même que la distance de ce dernier kilomètre de pouvoir servir les gens.